Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk et on se retrouve en compagnie d'Oximos. Salut à toi. Salut Capitaine. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto. On apprend à faire un bunker ultra sécurisé. Voilà les amis, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à être un max de like comme toujours. Aujourd'hui je vous lance un défi très spécial. Le défi une vue égale un like. On compte sur vous, bonne vidéo. Et c'est parti! Alors, on va commencer par le passage secret qu'Oximos ne sait pas faire, du coup, je vais lui apprendre. Regarde aussi. Oh, je suis le plus nul en redstone de la Terre. Du coup, c'est voilà. Lui qui. Regarde, en fait, en attends, gros. Vas-y, faut... je commence à faire. Il faut faire un trou de 3 par 3. Mais non, pas là, pas là! D'accord. Regarde, justement. En gros, il faut que t'aies un décalage. Il faut que t'aies un décalage de 1. Là, c'est parfait, on a un décalage. En gros, il faut que tu fasses ton système et que tu puisses y avoir un bloc de décalage. Donc là, tu vas creuser le trou ici. Donc là, tu creuses 3 de profondeur ici. D'accord. Et là, tu peux creuser de là, comme ça, tu vois. Voilà. Okay. Bon, ce que tu faisais, c'était pas faux, mais c'était pas mon endroit quoi. Alors, une fois que t'as fait ça, minecart. Vas-y, tu mets un bloc au milieu. On va prendre un rail. Détecteur, hein, pas n'importe quoi. Détecteur, d'accord, j'allais pas prendre. Ah, mec, j'ai la maison. Ah, oh, j'ai le skin de la maison. Je vois la maison apparaître, c'est pas grave. Genre, ah, ça, oui, parce qu'on vient de tourner la maison redstone. Genre, et oui, la mini maison redstone est là. Du coup, on met un minecart détecteur au par-dessus. Là, tu mets un bloc. Mets un comparateur. Ok. Hop, voilà, bon, je suis lent. on le met comme ça ou non, pas dans l'autre sens, l'autre sens. Ouais. Voilà. Okay. Hop, là on met le poudre redstone en dessous. Ici, un bloc à gauche, wow. Une torche, un stick et piston, et là ça marche. Donc là après, t'as plus qu'à jeter un item attends, en plein je milieu. Sais ce que je vais jeter. Je sais ce que je vais jeter. On va jeter l'or des abonnés. Voilà. Hop. Et là, si je jette l'or des abonnés, vas-y. Ça marche. Bah vas-y, normalement. Attends, où je suis nul. Ah, c'est bon, ça marche. Ouais, ça marche. Récupère l'item et là ça ferme. Attends, il y a un truc qui va pas. C'est gold. Bon. C'est bon, voilà. Bon, du coup, les amis, maintenant qu'on a appris à faire le système, on va creuser, on va préparer la zone du bunker et on se retrouve. A tout de suite. Et re, les amis. Alors, on est de retour. On a creusé un petit peu. Donc, on vous montre un peu ce qu'on a fait. On était là tout à l'heure. Hein, et on a fait une descente en pente douce juste ici jusqu'à arriver dans la zone du bunker. Là, on va faire un appartement souterrain. Donc, on va faire un bunker tout simplement. On va faire sous forme d'appart. C'est-à-dire qu'il y aura un salon, une salle à manger et tout, etc. Plusieurs salles, à plusieurs pièces. Poser. Voilà. Du coup, ici, ça va être le salon. Je vais mettre la porte. Tu sais quoi, je vais mettre le salon ici. Ouais, d'accord. Moi, je vais plus faire. Ah, d'accord. Le salon va être là. Moi, je vais faire les chambres ici. D'accord. Et vas-y. Bah, t'es pas obligé de garder le rectangle, hein. Tu peux modifier la forme. Hein. Ça, ouais, c'est bah, justement, en fait, j'allais aller plus loin dans le rectangle parce qu'il est petit. Enfin, je trouve. Hop. On va vas-y, prendre ça. Vas-y. Parce que là, pour faire des chambres et tout, on fera une gaming room. Exactement. Hop. Ouais, je pense que là, c'est bon. On a World Edit, les gars. Comme ça va plus vite. Tac. On va cut ça. Ça cherche cut. Voilà. Donc là, bon, du c'est coup, bon, faire, moi hein. Personnellement, je sais pas ce que tu fais. Moi, j'adore mettre de la laine pour les murs. Enfin, en tout cas, avec mon pack. Le sol, on va le mettre en quoi? En bois? Ouais. Quel bois? Ce que tu veux, vas-y, choisis le bois pour une fois. Moi, je vais choisir les murs, donc choisis le bois. Tu me connais, j'aime bien le bois clair. Hop. Voilà. Ah, moi, je suis plus bois foncé, bois, hein, tu le sais. Ouais, c'est du birchwood. Ok. Hop, je vais mettre les murs en laine foncée et clair. J'adore. Enfin, un salon spacieux. Ça dérange pas les murs comme ça? Genre, moi j'adore comme ça. Genre, je trouve ça est très moderne, tu vois. Mais vas-y, bah, je vais faire un mur là. Comme ça. Ah, putain, j'ai récupéré. Ah, ouais, là, on va faire vraiment un truc posé et tout. Ouais, en plus, mais carrément... du coup, hésite pas à creuser, hein. Enfin, genre, moi par exemple, je vais partir par là, tu vois. Enfin, pas garder la forme rectangulaire, hein. Parce que d'accord. Du coup, c'est la forme bah, de base. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Tu vois ce que je vais dire. Donc là, moi, je vais faire mon salon. Je vais faire le salon un peu comme ça. A plus, Oki. Allez, vas-y. Je fais un mur entre nous deux. C'est fini entre nous. Ah, non! Ok. Enfin, hey, on va faire des entrées design genre en mode comme ça. Genre. Génial. Ah ouais, donc là les amis, ouais, mais c'est pas, ouais non mais tu peux changer hein, c'est expérimental. Ok bah je change. Hop là. Tu vois pas on fait un gros, ça dérange pas qu'on change de bois et qu'on mette celui-là genre ou t'aimes pas genre. C'est plus chaleureux ouais, je trouve. Ouais, ça fait plus chaleureux, j'allais dire exactement la même chose. Allez c'est parti. On part sur ça. Ici on n'aura pas du tout la place de faire une chambre et une salle de bain donc je vous propose de faire un truc en ouais, L. Si, moi je ah ouais, vais faire la salle à manger. Ah ouais, c'est pas con mec. Bah non, la cuisine ici. La avec cuisine. Un énorme, avec un énorme îlot central ici. Ce serait génial. Quoi, qu'est-ce que tu veux faire au central? Qu'est-ce que tu veux faire au milieu? Un îlot central, genre ici. Bah, tu vois ce que c'est ah, un îlot central. Ah oui, 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 d'accord. Genre, tu mets là. Ouais, cuisine américaine tout équipée quoi. Avec la table de travail voilà. Au milieu. Okay. American. C'est pour moi ça. Vas-y. C'est parti. Je pense plus faire la porte vers là. La porte finalement on va la mettre là les amis parce que ici on va mettre le lit avec la tête de lit et tout et après on va faire une salle de bain vers là. Bon du moi coup, ça serait ce maison que en je vous propose. Ouais bah très bien, parfait. Ah bon? Tu veux pas la faire en genre en extraterrestre, genre partir par là?
Ouais, je sais pas. Ça peut être rigolo, parce que là tu vas... Moi je la verrais plus comme ça, mais après comme tu veux, si tu sens plus, vas-y. Ouais, mais après genre, ouais. Comme tu veux, pour comme la tu veux. couper en deux et tout, ce sera bizarre. On va refaire la cuisine version des frogs, j'aime beaucoup, hop. Je parle voilà. U alors. Cuisine que je customise bien sûr, hein. Refaites un peu, refaites bien à ma façon, hop. Allez. Allez, on part par là. Et pour faire plaisir à Oximos, on va mettre la table centrale, donc je vais devoir prendre plus de place, hein, à cause de toi. Je suis obligé d'utiliser plus de place. À cause de moi tout le temps. Ouais, tout le temps à cause de toi, mais... Faut faire une couleur claire, genre... Ah ouais, je sais quelle couleur mettre pour la cuisine. Je la mets, hein. Vas-y. Quartz. Vas-y, 755 de points. Est-ce que... Ouais. Hop. /, cut. Bon, je refais ma cuisine que j'ai fait en tuto parce que j'ai bien aimé ce que j'avais fait. Hop. Voilà. 7, tu me diras ce que t'en penses quand tu l'auras vu terminé. Alors, c'est totalement de l'impro, hein. Si on réfléchit tout, les gars, on n'a rien. Tu sais ce que je fais comme seul. Alors, dis-moi, est-ce que t'aimes bien les damiers pour les cuisines? Parce que moi, j'adore, perso. Regarde. Vas-y, ce que fais un damier, mec. Pas de problème. Bah, dis-moi si t'aimes bien. Tiens, regarde ce que ça a donné. Ça va commencer à donner ça. Moi, je trouve que pour les cuisines, c'est toujours classe d'avoir un damier. Tu vois, ça fait vraiment une ambiance cuisine, perso. Vas-y. La terre cuite, j'aime pas trop. Genre, est-ce que tu vois du blanc, toi? Ah, mais tu vois du beige, mince. Ouais, je vois du beige. Bah, en fait, là, le problème, c'est que moi, je vois du blanc, en fait. Moi, je vois du blanc, en fait. On peut remplacer par du quartz normal, non? Bah, vas-y, mets du quartz, ça te perturbe. Ok. Fais un replace, hein. Je fais un replace? Ouais, mais... Bien sûr. Hop. On va se mettre jusqu'à là. Ah, c'est comme ça, c'est pour ça que ça sert bien à voir les dits, hein. Hop. C'est pratique. On remplace pas les noirs, hein. Fais attention. Tu sais pas faire? Si c'est 159 par 155. C'est ça. Ah, non. Oh ah, parce qu'il a tout considéré. Bravo ça. 159 2.0. Fais Undo et fais 159 2.0. Voilà. 2.0. Et voilà. Génial. Voilà. Ah, non, elle est un peu blanche là. Il y a un truc qui me dérange. C'est ça. C'était mûr en fait. On aurait pas dû mettre ça. Vas-y, bah ça fait. Non, mais je pourrais le mettre pour la. Ouais, t'as raison, bah c'est beaucoup mieux comme ça. Je mettrais pour la salle de bain celui-là. D'ailleurs, par contre, ici il va falloir faire un truc, ça fait connexion de texture. On va peut-être. Non, juste... oui, j'avais une idée. Vas-y, bah je te laisse gérer. Vas-y, je fais la cuisine, vas-y. Tu vas voir, en plus, tu vas aimer et tout. Truc de ouf. Tac. Ah, je vais aimer truc de ouf, apparemment. C'est un truc de ouf, capitaine. On va casser ça. On va casser ça. Entre les deux, vous voyez. Et on va mettre des vitres. Regardez. On va mettre des vitres. Non, on va mettre. Moi je fais le. Je suis en train de faire l'évier tranquillou. Une vitre grise foncée, regardez. Gris clair et gris foncé. Donc là, les amis, je suis en train de faire la partie cuisine. Hein. Voilà, on est en train de mettre tout ce dont on a besoin, les fours, etc. etc. Là, je vais mettre par exemple la machine à laver. Ouais, j'arrive. Est-ce que tu aimes? Bouge pas. J'arrive. C'est bien là. Fais voir. Ah, et tu mets, t'as mis de la végétation derrière? Mec, mets un peu de. Mets une mini. Oh, mais j'adore faire ça, genre. J'oublie tout le temps. Viens, on met une mini végétation. Avec moi, un peu de. Je vais faire la salle de bain, ok? Je vais partir. Bah, vas-y. Tu sais quoi? Vas-y, fais ça, je m'occupe de ça. Vas-y, on fait chaque truc. Chacun fait son petit truc. D'accord. Du coup, moi, je vais. Vois pas trop grand, sinon on va jamais terminer. Alors. Non, t'inquiète, c'est bon. Par contre, là, on aura un énorme salon à faire, ça sera génial. Le salon, bah, c'est quoi? Moi, je vais m'y coller. Tu me dis ce que tu penses un peu de la cuisine, hein. Ok, ça cherche 735.8, on va prendre ça. Comment on pourrait éclairer? Ah, j'ai pas pensé à ça. Je crois que j'ai une petite idée, les potes. On va faire ça. Waouh, magnifique. Waouh. Est-ce que ici ça va gêner? Oui, légèrement. Alors, t'inquiète pas pour ça, c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, c'est parce que sinon on peut pas éclairer. Voilà, je vais éclairer. Ah, regarde, j'ai modifié les murs, ça fait un petit endroit sympa. Regarde, ça, tu vois, t'aimes bien comme ça ou pas? Parce que je vais refaire le damier du coup, mais avec. C'est génial comme ça. Pour le plafond, qu'est-ce que tu mettrais toi? Est-ce que j'ai jamais mis de sandstone pour le plafond? Est-ce qu'on peut mettre de la sandstone? Est-ce qu'on se permet? Bah vas-y, teste. Moi j'adore mettre de la neige perso. Je suis trop fan de la neige pour le plafond, mais vas-y, essaie. J'ai jamais testé de mettre de la sandstone. On va voir ce que ça donne. Après, on n'a pas le même pack, donc ça risque de. On va voir. Est-ce que tu aimes bien comme ça? Oh, la cuisine. Moi j'aime bien, non? T'aimes bien? Ouais, c'est bien. Franchement, ça le fait. Franchement, les gars. Bah, du coup, inclus la cuisine aussi. Vas-y. Ouais, pas de problème. Tac. Faire ça. Et normalement, c'est bon. Voilà. C'est ultra moderne et tout. J'adore. Je suis sûr que. T'as vu l'éclairage, le rétro-éclairage du plancher, mec? Genre. Et ouais. Plutôt pas alors, mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. En fait, c'est rigolo, j'ai remarqué que tu parles beaucoup quand tu construis alors que moi, pas du tout. J'ai remarqué que je me concentre alors que là, le mec, des petits détails. Il balance tout.
On va mettre des faux ici. Alors, quel bloc on va choisir pour ça, pour ce mur-là? Parce qu'en fait, on va mettre la tête de lit ici. Donc là, il sait pas ce que je fais, capitaine. Je comprends rien, c'est du chat. J'étais à hauteur parce que là, je suis un peu à court d'idées. C'est totalement de l'impro, je rappelle. Hop, comme ça. Vous savez quoi? On va pas mettre des lits ici parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait moche. Donc, on va faire ça, vous voyez, comme ça. Voilà une belle cuisine. Et du coup, on n'oublie pas d'englober ça. Voilà, c'est une belle cuisine, ça. Regardez, il y a le petit four ici. Là, le lave-vaisselle, le petit évier. Ici, il nous reste de la place. Je sais pas pourquoi pas. Ah, on va mettre le frigo. Voilà. Le hop, frigo. Hop. Voilà, j'avais laissé la place exprès pour le frigo. Bon en plus. Ça. Oh, c'est beau. Ok. Voilà. Il est beau le frigo. Hein. Regardez, on prend un escalier. Je vais faire une tête de lit. Regardez. Planche, on va prendre ça. Une tête de lit plus claire. J'adore ce que t'as fait dans les chambres. Franchement, ah non, la tête de lit comme faut ça, remercier Defra pour la déco que je fais parce que franchement il m'a beaucoup inspiré. Hein. J'aime beaucoup sa déco intérieure. Tu sais quoi, j'avais pas pensé à un îlot central comme ça, mais parce que moi j'avais pensé à une cuisine collée. Ah oui, mais si tu veux, regarde. Non, mais franchement, ça rend beaucoup mieux, mec. Si tu veux, on met une table ici. Hein. Non, mais en fait, je venais juste te faire la remarque que moi je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que j'ai oublié ton truc en fait. Genre, je voulais faire la même. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, le frigo est bien fait. Le distributeur de. Tu veux que je te montre un truc super classe, regarde, genre. Ouais, faut dire. Mais ça c'est grâce à des fromages. Franchement, il m'a inspiré de fou. Genre, regarde, là tu fais ça. Tu prends ça. Ah oui, les tabourets, ouais. On y pense. Ouais, attends. De redstone, attends, mets des blocs de redstone. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Mm-hmm. Ouais, tu mets ça. Ouais, ça je le fais ça des fois. Ah. Fail. Voilà. Ah ouais, non, là c'est, voilà, c'est une certaine classe américaine de ouf et tout. Bon, okay. La cuisine est officiellement terminée. Ici, je voulais faire un truc super sympa. Vous allez kiffer ce qu'on va faire. Carpet, on met des carpettes quoi. Carpet. Donc là, regardez, en fait, on va faire ça. Ouais, en salle de bain, moi j'adore le bleu ciel perso. Salle de bain moi, bah, je trouve que bleu, ma salle de bain elle est en bleu perso dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que j'aime bien la faire en bleu. Mais moi aussi, j'aime le bleu, capitaine. Ah, ça fait une chambre un peu enfantin, je trouve. Une chambre d'enfant. Genre comme moi. Une chambre de moi. on va prendre. Regardez ce qu'on va faire. Petite astuce déco de la part d'Oximos que j'aime bien faire. Oh purée, je parle de moi à la troisième personne, ça va plus. Rien de ah, il a pris la recette de fou là. Ok. Petite Enrod, petite tête de squelette. Et vous allez voir, on va faire un truc magique avec. On va prendre juste une slab. Slab, on va prendre ce que vous voulez, les gars. Allez, on va se faire un petit kiff, peur. Voilà, moi j'essaie d'éviter la question de texture, vous voyez que c'est un petit peu moche ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, vous voyez. Alors, je sais que ça va vous perturber, mais au moins comme ça, il n'y a plus question de texture, personne ne se plaint, d'accord. Ok, maintenant on va prendre tranquille ou des petites vitres. Je vais mettre des vitres comme ça. Donc là, regardez, en fait, ce que je vais faire ici, c'est une petite. En fait, je voulais mettre un peu d'eau, vous voyez, et un peu de papier. Cette fois, je dis papier, c'est canne à sucre, pardon. Canne à sucre. Donc, ouais, alors voilà. Je peux faire ça, regardez. Vous voyez, c'est pour donner un aspect naturel, j'aime bien. J'adore. Dis-moi ce que tu penses de ça là, ce que je viens de attends, faire. J'arrive 2 secondes. Ça fait très. Ça fait très maison moderne. Tac. Alors, juste avant, les gars, regardez comment on fait. Ah, y a on un va truc poser qui me perturbe. Des têtes comme ça et comme ça. On va changer le tout un peu, les potes. Tourner. Bon, écoutez, on va dire que ça donne un style. Génial! Bon, après, ce que j'aurais voulu faire une petite source d'eau et tout, mais on n'a pas trop la place, donc on va garder ça c'est comme génial. Ça. Du coup, ici, je propose qu'on fasse de la salle de la cuisine en face la salle à manger. Fais voir ah un oui, peu toi aussi. D'accord. Ah, j'ai pas regardé. Ah oui, sympa. Je peux donner une petite astuce, Oxy? Tiens, regarde. Vas-y. Moi, je te propose, en fait, genre derrière, faut mettre du bois. Regarde. Du bois, bah en fait j'avais fait la tête de lit en bois, genre. Regarde, non, comme ça, regarde, non, attends. Oh, c'est beau, non, laisse ça comme ça, mec. Attends, c'est trop beau. Attends, c'est pas ça. C'est trop beau, non, laisse. Oh, regarde, c'est quoi? Arden et Clay. Non, t'aimes pas ça? Oh. Ah, ouais, bah en fait ça va bien avec le reste de la maison, donc laisse. Mais ouais, c'est ça, je voulais mettre à la base. Fait un bois. Le mec il était, oh mon dieu, et tout. Il non, a surkiffé. En fait, le gris et l'orange ça va super bien ensemble. Enfin, toi, t'avais mis. Enfin, sur mon pack, ça rendait orange en tout cas. Ah non, bref. C'était pas orange, moi, c'était couleur de moi, la sandstone. Genre, comme si c'était de la laine orange. Mais du coup, c'est de la. Enfin, ah, tu ouais. m'as compris. Oui, bon, ça t'a plu, quoi. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ouais, ça m'a plu, voilà. Je kiffe. Hop, on va mettre ça là. Okay. Donc là, écoutez, ça manque de lumière, donc on va procéder immédiatement à un éclairage d'urgence. Hop, voilà. Hop. Ah, je vous montre comment faire des lampes modernes aussi au plafond. Ah oui, c'est bien faire ça, capitaine. Admirons-le. Voilà. Ici, on va mettre quoi là, tu vois quoi? Viens voir où je suis. Là, tu vois plus. Ici, là. Je vois aucun lampadaire de rien. Non, je veux dire, non, mais tu vois plus un salon, tu vois quoi comme truc Je verrai, je sais pas ce que je verrai. Sachant que la cuisine est là.
Une salle à manger, mais le problème c'est. Là, on pourrait carrément le faire là. Non, là, non, là, salle à manger, là. Là, c'est obligé, là. Ici, c'est parfait. C'est parfait pour une salle à manger. Salon, mec. Bah, vas-y. Ouais, t'as raison, ouais. Salle à manger. Mec, t'as trop raison. En gros, tu mets une petite table. Ouais, t'as compris. Tableaux, et là, un canapé. C'est typiquement ça. Et là, un canapé. Et là, un gros canapé. On n'est même pas obligé de mettre une télé. Hein. Oh, si, mec. On met une télé qui sort du plafond en mode. Attends. Vas-y. Fais-le en même temps que moi, comme ça, on est synchro. Hop. Regarde. Tu vas voir, tu vas kiffer. Tac. Alors, on va se faire un petit truc comme ça. Tac. Hop, on fait les coussins, on n'oublie pas. Et là, on se met. Regardez. Du coup, je vais changer les murs. On va changer les murs. Je suis peut-être de la merde là. T'es pas centré par rapport au canapé en fait. Je pense que c'est ça qui perturbe ouais, un peu. Je devrais me bouger un peu ici, genre. Ici, ça devrait être bien. Hop, on va replay ça par de la clé. Ici ça. Aussi, on va changer tous les murs, on la transforme en clé. Ah là, celui-là aussi, il fait pas exception à la règle. Tada. Alors, voyons voir. Si tu fais ça, ça rend bien. Ça fait bizarre une télé. Ouais, ça rend... Ah ouais. Je sais pas. Moi, j'avais déjà vu des designs de télé comme ça, je trouvais ça beau. Hop. Ou alors, pourquoi. Non, mais pourquoi on met pas une table basse, viens le toujours vouloir. Pourquoi on met pas une table basse. On peut mettre une table basse, ouais. Parce qu'on veut toujours, mettre des. En vrai, ça fait un écran plat stylé, mec. Regarde. En vrai, tu te mets là, ça fait un truc stylé. Alors, peut-être pas la table basse bien en dessous. Mais Moi je fais juste une table basse. Ça, ça sort pas du plafond, mais genre on met une table basse. Enfin, non, on met une table, un meuble télé. Enfin, genre ça tient. Bah, la télé regarde, aussi. Alors on prend de la neige et on fait un meuble télé, genre comme ça. Si tu veux. Vas-y. Oh. Alors peut-être. Ah, attends, ça. Peut-être. Oh, j'aime bien. Ah, c'est une télé curve. Ah, c'est. Oh, ok, il est dans le futur. Il est dans bah le ouais. futur. tu m'as pris pour qui là. Bah voilà, là c'est bon aussi. Ah ouais. Ouais. Là c'est bien. Par là, contre, attends, par contre, faut quand même les haut-parleurs. Prendre les notebooks, on va essayer de bien les placer. Ouais, notebook. Bah, je vais prendre ça. Un par terre là que j'ai. Cimère. Hop. Donc là, la télé du futur. Comme ouais, ça. Vas-y, essayons. Et après, on remet des dalles. Fais voir. Ouais, peut-être au-dessus. Ah. Ou alors, regarde, si on essaie comme ça. Attends, beau, hein, regarde. Ici on attend. Ici on les met des vis, on essaye comme ça. Non c'est moche. On perd le côté un peu, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Si je fais ça, là ça fait trop gros comme meuble télé, t'es d'accord. Ouais. Bon en fait on a du mal à voir que c'est une télé comme ça, c'est qui hein, c'est. Non mais là j'aime bien. De ce côté-là peut-être qu'on dirait pas une télé. Mais de ce côté-là ça rendra un peu moche, faudrait limite l'affiner comme ça. Là ça va, on dirait une télé du futur. Ouais, là ça se voit, là ça passe encore. Eh, ça passe vite, on a déjà. Ah, je t'ai dit, quand on s'amuse, ça passe vite. Hein. Alors, franchement. Bah écoute, on garde ta télé du futur. Voilà. Pourquoi pas. Et ici, je vais mettre la table à manger. Ah, ça c'est une télé de gros geek en vrai. C'est une télé. Attends, il me semble avoir trouvé une nouvelle façon de faire les. Ou au moins que tu fais un très bon câble management. C'est possible. Le fil à l'arrière de ta télé. Bon, on va dire que c'est sur Minecraft, c'est un peu futuriste et tout. Franchement, ça passe. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mur ici? J'aimerais mettre un mur. D'accord, regardez, je vais vous montrer une nouvelle façon de faire les tables à manger que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est vraiment super cool. Hop. 35.1. Oh, j'aime bien, ça fait ultra coloré, ultra chaleureux. J'ai pas assez de place. On va devoir se décaler un peu. Hop. Alors, on va creuser par là, je propose, les amis. Du coup, on va se mettre dans le mur, hein, parce que là, on n'a plus de place. On va se mettre dans le mur. Voilà, ça commence à. En fait, c'est une maison moderne dans. Ouais, sous le sol, genre. Dans le sous-sol, en fait. Exactement, c'est ça. C'est plus un bunker. Eh, mais ma chambre, 35, elle est ultra chaleureuse, j'adore. Une fois qu'on a fait ça, bah, je pense qu'on va pouvoir passer ici. On va faire une belle salle de bain, vous allez voir et tout. On va prendre des escaliers. Ok, bon, alors moi, je commande pas tout, je préfère réfléchir un peu à ce que je fais. Aucun problème, capitaine. On ne te juge voilà. Pas. Du coup, non, c'est pas ce que je voulais faire, justement. Hop, du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est que là, je suis en train de creuser la place pour faire la salle à manger. Parce que du coup, vous voyez qu'on a pas assez de place, du coup, je vais devoir la décaler. J'ai un nouveau design de salle à manger, vous allez kiffer. On l'a découvert dans la maison la dernière fois, j'ai bien kiffé, du coup, j'ai appris un peu comment la refaire. C'est de la spéléation, voilà. Ok, du coup. Ah, la baignoire, j'ai jamais fait une baignoire comme ça et. Waouh. Ah, là aussi, j'ai. Ah, oui, mais genre. Moi, je suis devenu un expert en salle de bain, mec. Le nombre de tutos que j'ai fait sur les salles de bain, genre. Ah, franchement, mec, je suis roi de la salle de bain. Alors, hop. Hop. Donc là, vous voyez, je suis en train de disposer tranquillou les chaises. Je suis sûr, en vrai, tu vas kiffer ce que je viens de faire. Ça prend forme. Et genre, moi, tu vas kiffer ma table à manger, mec, c'est obligé. Là, on va prendre de la cobblestone. Ça vous paraît étonnant, je sais, mais ça fait une table en pierre taillée, en fait. Enfin, en pierre, justement. Une table en pierre, vous allez voir. Hop. Et ici, ensuite, regardez, c'est la touche un petit peu cool. Ici, on peut mettre un bouton. Là, regardez. Je vais prendre des strings. Donc,
des ficelles et on va faire un tour comme ça. Oh, c'est grave beau. Ok, on part sur ça, les gars. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ça manque de lumière. Je suis d'accord, on va passer l'éclairage juste après. Vous inquiétez pas. Je vais dire la même chose. On fait de la télépathie. On est synchro, c'est bien. Alors, hop. Synchro. Dis-moi ce que tu penses de la table. On va faire un miroir de genre, vous savez, les miroirs comme ça là. Toxi. Plein d'éclairage au-dessus. Dis-moi ce que tu penses de la table. Alors, Je voudrais pas la coller, je trouve. Attends, déjà, en plus, j'ai utilisé la mauvaise. Tu es sûr qu'il faudrait la coller? Je pense que enlever ces chaises là ça irait mieux. Attends. Genre là c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, faudrait peut-être changer la couleur. Le truc c'est que j'ai mis la même couleur, j'aurais pas dû. Ouais, tu pourrais changer. Et bah, ouais, bah là au-dessus, genre on se met pile 171. Demain, une couleur rouge. Tac. Non, c'est pas bon. Et là, regarde. La belle couleur tamisée. Je sais pas quoi prendre comme couleur. C'est génial ça. Ah, c'était génial ce que t'as mis avant. Non, pas jaune. Vert, ça fait un peu raser. Rose, non. Non, mais là ça colle au mur, ça m'embête. Ah, j'aime bien là. Ouais. Vas-y. On part sur ça. Alors, fais voir un peu. Oh, en sympa. Vrai, c'est plutôt coloré. Hein. Alors, fais voir ce que tu nous as fait pendant ce live parce que je suis pas allé voir. Pas fini. Ah oui. Interdit. Tiens, là, je te montre un truc, regarde. Tu fais des rangements dans les. Ça, on y pense jamais, genre. Tu fais des rangements comme ça. Ça fait... Tu trouves pas que ça fait ultra enfantin, genre cette chambre, je trouve. Ouais, ça fait un peu chambre d'enfant. Fais voir un peu, ouais. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'aime bien. Là, tu vois, regarde, là, tu fais des rangements comme ça et tu mets des pots de fleurs pour combler. Genre ici. Ou j'aurais mis un tableau ici. Ou vas-y, comme tu le sens. À toi de voir. Alors, du coup, moi, j'améliore un petit peu le salon. Donc, du coup, je voulais mettre de la lumière au plafond. Un tableau, vous savez quoi ? Painting, c'est par là. Moi, je vais vous montrer comment mettre des lumières super cool. Vous allez kiffer. Alors, on va prendre ça. Regardez, en fait, vous mettez la lumière comme ça, et après vous avez plus qu'à faire. Regardez, enfin, c'est un peu. C'est pas compliqué à expliquer, mais regardez, vous apprenez en regardant plutôt. C'est plus facile. Moi, je vais prendre des vitres grises pour faire. Vous voyez, il faut faire comme ça. Et il suffit de faire comme ça, vous voyez. Regarde, Oxy, tu vas voir mes lampions ou pas? Tu vas kiffer. Ouais. T'es où? Ah. Mais regarde au-dessus de la télé, plutôt, voilà. Ah ouais. Wow. Ah ouais, c'est genre. Lustre moderne. C'est ça. Du coup, je t'ai fait un truc un peu moche ici, regarde. Attends, j'arrive tout de suite. Je suis au niveau de la table, regarde les éclairages. Bah attends, regarde, je voulais le refaire. Regarde, je te montre. Tu sais pas, regarde, moi j'ai appris comme ça. Hop, ouais, voilà. Moi, je fais des espèces de carrés quoi. Double carré. Attends, parce que moi je dois faire la salle de bain là. Vas-y, bah, je te laisse faire tranquillou. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Regarde, on va prendre ça. Ah là, ça ressemble à un truc de ouf. Et là, on va faire ça. On va mettre un évier devant. Je pense que tu vas kiffer aussi. Voilà. Attendez, on va plutôt faire ça pour l'instant. Après, on prend des panneaux et on n'a plus qu'à compléter. Regardez. Bon, ça, je vous ai déjà montré la dernière fois, mais c'est quand même super cool. En plus, j'oublie tout le temps de faire ça. C'est vrai que c'est très cool comme design, ça. Hop, on va faire ça. Voilà. Ça. Est-ce que toi, t'as un évier devant ton miroir ? Plus ou moins. Ouais. Après, on peut pas faire les miroirs sur Minecraft. Bah, moi, j'ai fait un truc joli, moi. On va mettre des éclairages ici, je pense. Les éclairages, ils iront mieux ici. Tu me diras ce que tu penses des lampes que je suis en train de faire au salon. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Vous savez, ça, c'est les éclairages un peu genre. Je sais pas, je trouve ça. Qu'est-ce qui manque ? T'as pensé à la salle de bain ? C'est là, j'ai pas regardé ta salle de bain. Ouais, j'ai pas du tout fini. Hein. C'est en travaux. C'est en travaux. Ouais, t'as carrément mis un système d'eau ? T'as mis carrément de l'eau ? Non. Ah, j'ai entendu de l'eau comme s'il y en avait. J'étais en mode, il est trop chaud, mais. Mec. Moi, regarde. Hey. Ah, merde, ah oui, d'accord. Tu sais que j'ai appuyé sur le bouton et ça a fait un bruit d'eau. Et genre, je me suis dit, oh, il est trop chaud, mec, il a carrément fait un truc pour mettre l'eau et tout. Pile où j'ai marché là, t'as activé le levier et j'ai fait en mode, what, il y a un truc là. T'as activé un truc. Alors. Et moi, c'est moi, j'appuie, j'entends de l'eau, je fais, attends, mais il est trop chaud, le mec, il a fait un système pour enlever de l'eau, quoi. Plouf. Non, pas du tout, je suis pas. Écoutez, les gars, je m'appelle pas Ipia. Hop. On va mettre les serviettes comme ça, vous savez comment on fait. Ah bah non, on va faire les murs comme ça avant. Tac. Vous savez, les murs de salle de bain. Hop. Hop. Là. Ok, alors, not bad. J'ai bientôt fini perso, je sais pas si t'es bien. Ouais, bah viens, dis-moi ce que tu penses de l'éclairage du salon, viens voir. Attends, je finis juste ma petite salle de bain. Tac. Ah, c'est trop ça, mais en fait, c'est. Enfin, je sais pas, c'est ultra réaliste ce qu'on a fait, je trouve, comparé à d'habitude. Ouais, c'est une très belle construction. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je t'ai dit, on fait un appart complet, c'est plus sympa que de faire juste une petite zone. Ouais, j'avoue.
On va remettre des éclairages. En fait, le truc, c'est qu'on est deux, du coup, on peut aller plus vite tout seul. T'aurais du mal à faire tout ça. Enfin, t'aurais du mal, t'aurais pris du temps, quoi. Ouais, ouais. Tac, et voilà. Là... Ici, on va rajouter des carpettes, je pense. Ouais, des carpettes grises. Carpettes grises, elles sont où ces carpettes grises? Elles sont là. Tac. Bah non, je pourrais rajouter carrément les éclairages ici. Et après, mettre des carpettes et grises. Et voilà. Dis-moi aussi ce que t'en penses là, ce que je viens de faire. Non, je me suis fail. J'aurais dû mettre ça là. Hop. Du coup, on va finir les lampes, on va rajouter un peu de détails dans certains coins. On va mettre des étagères. Là, c'est le dernier truc. Ça manque encore d'étagères. C'est propre, mec, c'est grave propre. Ok. On va casser ça. J'aime bien, mais je pense qu'on pourrait virer la rangée centrale. Il y en a trop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Tac, on met une porte. On avait trop mis. Génial. La puerta. Non, on a dit qu'on faisait des portes un peu modernes, on fait ça, genre. Après, ici, il y a la chambre. On met du gris clair. Hop. On n'a pas mis de bureau. Attends, j'arrive. Viens te doucher. C'est un peu bizarre dit comme ouais, ça. Ouais, c'est chelou, genre, je m'y attendais pas. T'aimes bien les lampes alors comme ça ou pas? Regarde. Ah ouais, j'aime bien, ouais. T'en as mis un peu beaucoup, je trouve, par contre. Ouais, j'ai un peu. Un peu de bibliothèque parce qu'on est cultivé. Oh non, peut-être tu mets une bibliothèque. Non, et mais, après, regarde, regarde ce que je fais. Je fais ça. Ah ouais, pas con. Pas con. Je fais tout le temps ça. Voilà. Ok. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on pourra ajouter? Attends. Je pense 1, 2. Je sais pas comment on pourra améliorer ça. Bah, faudrait plus les espacer en fait. Faudrait plus mettre celui-là là. Faut les espacer de 2 à chaque fois, je pense. Non, de 3 justement. Là, j'ai espacé de 2 justement, ouais. Ah oui, d'accord. Moi, la salle de bain elle est faite. Ah bah non, j'ai dit qu'il fallait mettre les. Viens m'aider à les refaire alors, comme ça, hop. Ouais, pas de problème. Je vais prendre juste, on va prendre une serviette rouge parce qu'on aime bien le rouge. Et une serviette violette. Attends, parce que j'ai refait la même bêtise, j'ai l'impression de 3, 1, 2, 3. Waouh. Je sais pas, 3. J'ai l'impression qu'il manque un truc à mettre dans une salle de bain, mais je pense que c'est tout. Attends, vas-y, parce que j'ai expert en salle de bain, qu'est-ce que t'as oublié? Alors, expert en salle de bain. Bah, il manque les toilettes en soi. Ah ouais, ouais. Bah, on les met là, ici, juste là. Bah, d'accord. Vas-y, maintenant je sais faire ton modèle de toilette. Avant, je savais pas. Avant, je galérais. Hein. Ça, c'est super simple à faire. Hein. Regardez, hop. Il pose un bloc pour souvenir. Ensuite, attends, parce que j'ai pas le truc. Oh mon dieu. Voilà. C'est pas mal comme ça au centre de la pièce, c'est rigolo. Et ouais. Après, le petit bouton sur les côtés pour tirer la chasse. On va juste mettre un bloc de la D'ailleurs, moi, j'ajoute un truc par rapport à toi. Je mets une trappe d'or dessus. Dis-moi ce que t'en penses, tu vois, comme ça. Comme ça, quand t'appuies, ça lève le battant. Ouais, d'accord, ouais, c'est bien. Moi je mets pas ça d'habitude, mais c'est pas grave. Moi je mets plus une plaque de pression. Oui, bon, la chambre. Mais en fait, ça, si je mets plus une plaque de pression, c'est parce que mon pack il fait en sorte que ça soit une vieille grille en fait. Au lieu de... C'est super cool cette maison, ça pourrait être une vraie maison. On a rien oublié, je pense. Hein. On a mis la chambre, oublié, salle de bain, toilette, salle à manger, cuisine, salon. Hop là. Ouais, t'as raison. Et ouais, y a pas beaucoup de place pour ajouter grand chose. Hein. Là, on a mis une étage, j'ai mis une étagère ici. On a tout fait, mec. Ouais, on l'a tout fait. Là, tu rentres dans ton bunker ouais. Ultra sécurisé, tout ça. Il y a personne qui peut le voir. Et t'es posé, mec. C'est posé, hein. T'arrives. Ça pourrait faire une vraie base dans une aventure. Ouais, ouais. Génial. Alors. La petite chambre et tout. Ouais, je suis posé dans mon lit. Ouais, j'aime bien, franchement. Et viens voir, juste tester un dernier truc. Genre, vas-y. Pour la table, je propose si on fait ressortir comme ça, est-ce que c'est moche ou pas, tu vois. Je préfère comme ça, pour te dire. Je préfère comme ça. Ok. La table, je suis pas trop fan en soi. La table avec c'est pas trop mon type de bois. Mais après, ouais, c'est. Bon, c'était pour changer un peu. Hein. Tu sais, je fais jamais ça comme ça d'habitude, je me suis dit pour innover un petit peu. Bon, bah du coup les amis, on est à la fin de ce bunker. On espère que ça vous a plu. On a bien décoré aujourd'hui. Hein. Je suis content. Regardez, on a la cuisine. On vous montre un peu tout. Un petit espace cuisine ici. Vous avez vu. Donc là, il y a la machine à laver carrément pour rentrer les trucs ici. Le frigo. Wow. La salle à manger avec écran 4K incurvé bien sûr. ici. Une petite table à manger bien sympa, une étagère. Hop, on passe dans la chambre faite par Oxymose en personne avec les petits rangements sur les côtés et une salle de bain tout équipée. Voilà. Ouais. Bon, du coup les amis, c'est la fin de ce tuto. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un max de likes, ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas à partager un max et vous abonner à la chaîne. A plus sur les prochaines aventures. Ciao tout le monde. Ciao.